Ouais, ou cas comme quoi, comme Moïse, en effet. Et regardez ça, je le mets en patron, en couleur d'abord, ça fait quoi? Ça fait ceci. Et puis ceci. Ah bon ça? Je sais que quand il y a la caution 11 de l'alphabet, 11, comme vous voyez là, c'est 1 et 1. Donc 11, c'est quoi? C'est un patron de quoi? Un patron de la lettre, un patron de quoi? Du nombre 1 plus 1. C'est-à-dire, 11, c'est quoi? C'est un patron de 2. Un double point de 2. Un patron de 2. Maintenant, le patron, ok, un patron de quoi? 2. 2, dans le quoi, c'est quoi? C'est la vache. La sorte de la vache. Donc, un patron de quoi? De la vache. Quel est le patron de la vache? Le patron de la vache, le patron de la vache, le patron du bœuf, c'est quoi? C'est le berger. Le berger. Oui, c'est un berger. Un berger. Et le voilà. Voilà le berger. Le voilà debout. Le jaune là, la verticale là. Le voilà debout. Et puis, ceci, ce jaune là, ici, c'est son bâton. Son bâton qu'il tient pour effrayer les herbes. Pour effrayer les herbes. Le jaune là, il a dit, je veux parler de ceci. Et son bâton qu'il tient pour effrayer les herbes. Les herbes qui sont en bas là. Et maintenant, quant aux herbes qui sont quoi? Qui sont en haut, qui sont sur les arbres en haut. Les feuilles qu'on porte là, là. Tout ça, les arbres, les feuilles. Quant aux herbes là, qui sont en haut là, il fait quoi? Les feuilles, les branches des arbres là. Il fait quoi pour éclairer ça? C'est avec sa main. Sa main là. Il là, fait comme ça. Tel est le blanc là. Ça c'est pour éclairer les branches des arbres. C'est en haut. Ici, ceci. Le jaune là, ici c'est ça. C'est ça son bâton pour éclairer les herbes. Le bâton de berger. Fait comme ça. Voilà Moïse. C'est un berger. Et. 11, il a la question 11. 11, regardez encore. 11, c'est quoi? C'est 11, c'est 10 plus 1. Ah, la question 10 dans l'alphabet, c'est la lettre J. Et à la question 1, c'est quoi? C'est A. Et voilà. Regardez. Ah, comme vous voyez là, A, c'est quoi? C'est un bébé. Vous voyez vous A comme un bébé? En effet, A, il a la potion, une de l'alphabet, A. Son majuscule, il a la potion, une de l'alphabet. Son majuscule, c'est qui comme ça? Et le 1 là, c'est voilà le 1. On parle aussi de une pour le féminin. Ah, c'est une bien effet, regardez. Regardez ceci, le majuscule là. Le majuscule, c'est quoi? Cette partie de A majuscule là, c'est quoi? C'est les deux jambes de l'homme. Les deux jambes, une personne. Les deux jambes. Maintenant, ceci qui est au milieu de A là, c'est quoi? Et ce qui est entre les jambes. C'est quoi? C'est le sexe. A, c'est le sexe. Ce qui est entre les jambes. Le sexe mâle ou bien le sexe femelle. C'est pourquoi A a quoi? Là de quoi? On dit 1. Un pour le masculin, une pour le féminin. En effet, A c'est le sexe. Et quand les deux sexes font 1, quand les deux sexes font 1, c'est-à-dire quand le pénis est baisé, le vagin, ça fait quoi? Et dans quelle condition le pénis vient baiser le vagin, le pénis prend 1, en période, regardez, 1, voilà 1. Ceci c'est quoi? Regardez le U là, je mets ça en patron, ce U là, ceci et ceci. Cette partie là de U, le blanc là, les deux verticales là, c'est quoi? C'est pour dire période. Là c'est période. La verticale là. Les deux verticales là de U là, ce que j'ai mis en blanc, c'est ça. Pour dire période. Période 2. Et c'est ceci qui est le 2, le jaune là, cette partie là.
jaune. C'est parti là-dedans. Avec des. Regardez. Ce truc là. Donc vous le voyez bien. C'est quoi? C'est le signe moins. Le signe moins, c'est quoi? C'est ça qui est 2. Donc 2. Le signe dit 2. C'est-à-dire inférieur à quoi? À.